Parce qu'à chaque fois que tu trouves une place pour te garer, bon, quelques minutes après, tu trouves une autre place encore mieux pour pouvoir aller te garer. Donc du coup, j'y vais. Salut à tous. Du coup, j'ai décidé d'aller voir un ami et ça se passe pas trop loin d'une forêt. Donc j'en profite. Excusez-moi pour le bruit, mais étant donné que je suis placé au bord de la route, je me dis que passer la nuit là, ça ne va pas vraiment le faire. Donc je suis parti faire un petit tour en forêt et j'ai constaté qu'il y avait des places avec moins de circulation. Et qui était un peu plus cool, quoi. Vous entendez ça? Non, toute la nuit, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire toute la nuit. Donc du coup, je vais changer d'endroit tout de suite. On constate que c'est beaucoup plus paisible ici. On est dans une impasse, il y a moins de circulation. Et du coup, il y a même déjà des fourgons, soit aménagés, des vannes, même des camping-cars, tout ça, qui sont dans la zone. Donc pourquoi pas? On est bien mieux ici. Je vous montre un peu comment c'est. Allez hop, on y va. Là, vous voyez un peu mieux du coup. Là, juste en face de la forêt, il y a quelques camping-cars, des camions et autres. Donc voilà, je suis pas mal loti et du coup, je vais peut-être rester là quelques jours, histoire que je puisse aller à mon rendez-vous avec mon ami. Et voilà, qu'on puisse passer un bon petit moment tranquille. Bon, du coup, on va aller faire un petit tour. Rien de mieux. Se garer près de la forêt pour aller faire un petit tour dans la forêt. C'est pas cool tout ça. Bon, une petite marche s'impose.
souvenez sûrement, dans la dernière vidéo, j'ai parlé de. Dans l'avant-dernière vidéo, j'avais parlé de motivation dans les femmes, pour éviter d'être dans la rat race. Et du coup, la nature explique bien les choses. Voilà, ces deux arbres-là ont dû sûrement tomber, voir les autres. Ils ont juste penché parce que voilà, y a rien qui les retient, du coup ils sont dans l'eau. Et même celui-là, même s'il touche l'eau, il persiste pour pouvoir continuer à pousser. Salut, me revoilà encore et encore. Du coup, je suis à la recherche d'une connexion wifi en plein milieu des bois. C'est génial, hein? Non, c'est pas vrai. Je me promène encore et encore, bah, vous savez, il n'y a que ça. Donc, voilà, c'est plutôt génial. Je vous en prie. Visitez ici, c'est la Casbah. Alors j'espère que cette petite balade vous a plu. Alors pensez aussi justement à nous mettre des commentaires, parce qu'on aimerait bien savoir justement ce que vous pensez de nos vidéos pour pouvoir nous améliorer le plus possible. Surtout, je vous invite à répondre à cette question dans les commentaires aussi par la même occasion. Dans quelle ville je me trouve dans cette vidéo, disons plus dans quel coin exactement je me trouve. Alors oui, je suis dans une forêt, mais laquelle? Sachant que voilà, je connaissais déjà un peu les lieux, ben en étant revenu et avoir approfondi un peu les coins et les recoins de cette forêt, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a des choses que je ne connaissais pas du tout et ça m'a fait plaisir de pouvoir découvrir justement ces endroits là quoi. Bon, mais bien sûr, donc ça faisait à peu près en tout, j'ai fait 3 à 4 jours sur les lieux. Et bien sûr, le spot c'est génial. Et bah, je vous invite à y aller. Alors peut-être que dans la prochaine vidéo, je dirai clairement quel lieu c'était exactement. Mais en attendant, je vous invite à le mettre dans les commentaires, n'oubliez pas. Aussi, voilà, hein, c'est un super spot comme je le disais. Mais il faut savoir que tout n'est jamais rose avec madame. The number you have dialed. Tout n'est jamais rose, il y a toujours des contraintes, et là on arrive à cette partie là de la vidéo. Quoi qu'il en soit, ça faisait que justement 3 jours que j'étais sur place, et au bout de 7 jours, lorsqu'ils voyaient des véhicules qui ne fonctionnaient pas, ils les ont embarqués directement. Donc bon, ça va, j'étais plutôt bien loti. Et c'est sûr que si vous y allez, alors
lorsque je vous aurai dit où c'est, ou si vous avez trouvé de vous-même, et ben pensez aux 7 jours, parce qu'on ne sait jamais. Faites attention. À très bientôt. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager au maximum. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos en appuyant sur la cloche de notification. Allez, ciao !